C'est parti, nouvelle année, nouvel arrivage de petits monstres de 10 ans. On prend les mêmes et on recommence. Laissez-moi vous présenter les mascottes de la classe, Leonardo et Squirtle. Il n'est pas question que je touche à ça. Ils mangent, dorment et font popo au même endroit. Hé, hey, je fais popo là où lui, il pionce. Ce lézard a l'air très vieux, très vieux, très vieux. Tu trouves que j'ai l'air vieux? Merci. Aucun animal n'a envie d'être enfermé. J'ai raté ma vie. Cette année, chacun d'entre vous doit emporter une mascotte à la maison pendant le week-end. C'est maintenant ou jamais. T'es cinglé? Je vais aller avec un de ses enfants. Je vais m'échapper. Et je vais enfin vivre. À nous de jouer. Nom d'un petit Godzilla! C'était quoi ça? Tu viens de parler! Maman! Non! Personne ne doit être au courant! Pourquoi tes pattes sont mouillées? Elles sont naturellement humides. Tu leur parles, c'est ça? Ces enfants profitent de mes 74 années de sagesse. Tout le monde trouve que je suis bizarre. Les autres élèves te connaissent même pas. Essaie de faire ça! Attendez! Léo! C'est le premier? Normalement, il arrive devant, mais tout va bien. Tu grandis. Non, 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 c'est mon père. Ah oui. Qu'y a-t-il de si particulier chez ce reptile? Tu m'as fait comprendre que je pouvais accomplir tout ce que je voulais. Ça va mal finir. Je sais que c'est difficile, mais ce sont les meilleures années de ta vie. Crois-moi sur parole. Je suis le maître du monde! Ah.